Franz Erhard Walter, The Body Decides, Le Corps Décide, est une exposition initiée par WILS, Centre d'art contemporain à Bruxelles, où cet lieu est une ancienne brasserie de bière. Et ça nous a semblé une géniale collaboration, non seulement pour l'histoire du CAPC, l'histoire des expositions formidables, de cet espace si particulier, grandiose, la Grande Nef, mais aussi par le fait que nos deux institutions avaient une histoire industrielle à la base, qui nous a semblé particulièrement apte à cette œuvre qui traite du corps, du travail, de le labeur du corps, puisqu'on demande aux visiteurs, comme le titre implique, de s'impliquer dans cette exposition, réellement. Intellectuellement, conceptuellement, physiquement même. Franz Erhard Walter est un artiste qui a maintenant 75 ans, une sorte de monstre sacré de l'art contemporain, sans avoir été connu à son juste titre. Au début de ce projet, j'ai beaucoup cherché dans des livres d'art contemporain, notamment de l'art des années 60 et 70, là où son travail notamment devrait apparaître. Et dans la plupart des livres qui traitent l'art conceptuel, minimal, performatif, il n'y figure pas. Il est très connu en Allemagne, où il est né, et il est très connu surtout par tous les élèves de les plus de 35 ans qu'il a fait l'enseignement dans l'Académie de l'art, à la fois à Hambourg et Düsseldorf et ailleurs. Il était l'élève, ou il était plutôt le prof, des artistes aussi différents que Martin Kippenberger, Rebecca Horn, Santiago Sierra, Jan Bock, Jonathan Mese, Peter Piller, Christian Jankowski. Des artistes, dans certains cas, qui ont beaucoup plus de renommée que Franz Erhard Walter. Alors que lui, à sa manière, il travaillait toute cette longue période et cette exposition qui est encore plus grande que la version WILS, puisque c'est étendu à travers le 2000 m² du Grand Nef du CAPC, mais aussi des autres galeries où on a pu se permettre de mettre en collaboration avec Alexis Vaillant, le co-commissaire de cette exposition, un expo réellement rétrospectif. Sans avoir le but de montrer tout, parce que ça c'est impossible, c'est le tout début de la glacière qui est l'œuvre de Franz Erhard Walter, mais de mettre en exergue les œuvres qui pouvaient narrer l'histoire du corps au centre du travail de Franz Erhard Walter. Puisque à partir de 1963, on voit dans son travail le côté cosu. Il travaille avec des tissus, parfois cosus, parfois avec des poches de padding, des choses qui rendent ces objets à la fois formellement très fortes et parfois informes aussi, parce que réellement ils prennent leur forme, ils prennent leur statut de sculpture avec l'engagement des visiteurs. Pour Franz, il est important que les visiteurs puissent à la fois imaginer l'action à faire avec ses œuvres et parfois le faire, mais l'acte de le faire n'est pas nécessaire. Et ça, c'est très important, à la différence de la sculpture classique, où parfois une sculpture sur un socle, où l'artiste l'imagine qu'il s'est posé sur un socle, il vit sur un socle, et le public le voit autant qu'objet autonome. Les sculptures de Franz Erhard Walter sont conçues pour à la fois éliminer le socle, pour la plupart des fois, mais aussi pour que leur statut soit quelque chose qui prend la forme de sculpture seulement au moment qu'on imagine ce qu'on peut faire avec. The work of Franz Erhard Walter is in a new moment of reception. It's a very strong reception going on throughout the last years, thanks to the work of many people involved around the œuvre in France, starting with Christian Bernard, but also with people like Jean Wolf, who's working in Paris for the œuvre. So it was a wonderful moment to do this here, to do this show, which has been
has been gathering the idea of action in the oeuvre. It was built around the idea of action, but meanwhile, and in the CRPC, it has become a show giving the whole retrospective side of the work, and showing all the different aspects of the work from 57 until 2013. So you really get all the aspects of the work, and you can understand how much everything is connected, and all the different all the different segments in the work are connected with each other. Ici, dans l'exposition, dans les galeries après la nef, on voit toute une série qui est en fait une toute petite sélection de ce que l'artiste appelle ses exhibition plan drawings, les plans d'exposition. Il faut savoir que dès le tout début de ses toutes premières expositions dans les années 60 jusqu'à présent, à chaque fois que France faisait une exposition, après il dessinait précisément avec une échelle inouïe les dimensions non seulement du lieu de l'exposition, mais de chaque œuvre où il était placé et son échelle par rapport à l'espace et par rapport aux autres œuvres. Donc, dans cette exposition, on voit une sélection qui raconte un peu aussi, c'est une autre manière de raconter sa vie à travers les expositions. Et dans cette même salle, on voit le exhibition plan drawing pour son exposition aux Wheels. Il avait demandé pour l'expo aux Wheels qu'on garde un tout petit place. Et deux semaines après l'exposition, il nous a envoyé un rouleau où se trouvait le plan de l'exposition de Wheels. Et il se trouve qu'aujourd'hui, le jour après le vernissage de l'exposition, Franz Erhard Walter travaille sur le plan de CAPC Bordeaux. Le langage, il faut dire, est au tout début du travail de Franz Erhard Walter. À partir de 1957, il a fait ses tout débuts exquises, autant qu'étudiante, dans le langage. Notamment, il a créé ce qu'elle appelle son world builder, son travail de mots. Et ses œuvres, qui sont mises en exergue ici au Bordeaux et qui étaient présentes aussi au Wheels, est en quelque sorte le début de l'exposition. On voit aussi le pont entre ses tout débuts. Et il faut dire que Franz avait 18, 19 ans quand il a fait ce travail, connecte avec les travaux plus tardifs, notamment des grandes sculptures qu'il a fait en forme d'alphabet dans les années 90. Et plus tard, il a fait tout un travail qui est presque un journal intime de l'artiste, où il raconte non seulement son histoire personnelle, mais à travers cette histoire personnelle, l'histoire de l'art du XXe siècle. Parce qu'il raconte de la période après-guerre, à peu près de 45 jusqu'à 73, son vue du monde, à la fois artistique, politique, sociale, à travers les lentilles de son propre travail. Le langage y est très présent. Donc, dès les débuts jusqu'à la fin, le langage est sous-jacent dans tout le travail de Franz. From the beginning on, it was a main idea of Alexis Vaillant, the curator of the CRPC, to focus on this aspect in the work and to make it visible that you can not really say when you enter this exhibition. That was his idea from the beginning, out of what time these works are. And it's not something you really start to think about. It's an overall impression you have, and you understand that it's all linked to each other and it's one corpus of work, and you get you can enter wherever you want to enter in the oeuvre, you get an answer and it leads you somewhere else in the oeuvre, and you don't necessarily need to think about the time when the work has been done. This is an additional information, but it's not so central. And this is a very interesting aspect about the work, that it has this quality to not be
an historic work visually. You don't have the feeling that these works are necessarily 40 or 50 years old. And he always wanted to have this impression at first sight when you enter in the Grand Nef. And I think it has worked out very well.